Oui, merci Nainone, bonjour. L'abruti que je suis a oublié d'ouvrir son micro. C'est bien, j'ai pris mon antenne il y a 10 minutes et je dis rien. Ah, puis du coup, je vais avoir du Larsen. Eh oui, mais c'est pas grave, c'est le début du week-end. Faut que je m'ouvre les chakras, que j'oublie ma semaine. Hein? Le week-end, c'est fait pour ça. Merci Nainone. Ouais, ça va, oui, tu me dis que tu bricoles ton ordi, c'est ça? Attends, je vais mettre un peu de musique aussi en même temps. Qu'est-ce que je vais mettre comme musique, moi? Voilà, ça m'a l'air d'être bien. Voilà, mais... Oh, la cuisine, puis il me fait suer. Oui, alors attends, je bricole mon PC en même temps. Oui, ce que tu m'avais écrit, ouais, que t'es. Ouais. T'as apparemment le port graphique principal qui est PC Express qui est. Voilà. Qui tourne mal, qui se fait vieux, et ouais. Ouais, je t'avais expliqué que je t'invite à investir dans du neuf, hein, en espérant que t'aies la chance d'en avoir les moyens. C'est pas évident. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, donc bonjour à toutes et toutes. Oui, l'abruti que je suis a fait son intro en muet. Si j'oublie d'ouvrir mon micro, ça aide pas du tout. Tiens, du coup, je fais des âneries au golf. Et voilà, je peux recommencer mon élocution de. Mais je vous le ferai de nombreux week-ends, hein, d'oublier d'ouvrir mon micro. C'est un classique de moi déjà en tant que diffuseur. Peut-être d'autres, mais moi c'est un classique que j'oublie d'ouvrir mon micro. Merci à vous de me le rappeler. Oui, donc je disais, il y a un risque à ce que je ne sois pas présent cet après-midi. Il faut que j'aide ma pauvre maman d'un point de vue informatique. Elle est en PLS avec son Motatos. Et la pauvre qui a plus accès à ses courriels depuis un mois, parce que son précédent ordi a cramé. Et normalement, elle devrait recevoir en magasin l'ordi qu'elle a commandé. Il est probable qu'elle m'appelle entre midi et deux et qu'elle me dise: Fiston, on peut aller le chercher au secours. Donc, vous ne me verrez pas cet après-midi si j'ai confirmation que l'ordi est livré. Je vous tiendrai au courant à midi. Si je suis pas en direct, je suis en pause déjeuner tout à l'heure. Et que je reçois le message, je vous donnerai l'info et sur mon Discord. Et je vous laisserai un message pour ceux qui restent connectés à mon chat, dans mon chat de chaîne. Comme ça, vous saurez si je suis là l'après-midi ou pas. Et... Ouh, je sens que j'ai en bavé du... De celui-là. Pour faire un super coup, ça va être chaud. Ah si, ça va. Ah oui, c'est bien pensé. C'est vicieux. Et demain, je suis là toute la journée sur Twitch. Là, c'est ma grande journée demain où on me fout la paix. Donc, je vais vous faire du 9h du matin jusqu'à 21h le soir, quoi. Ça, là-dessus, je vais être déchaîné sur Twitch demain. J'ai expliqué aussi tout à l'heure mon plan de caméra. Je suis pas complètement dans la position normale de mon siège qui est inclinable. Et délibérément, je me mets en position semi-allongée comme si j'étais malade. Alors, j'ai essayé de réagencer à la va-vite la caméra pour que vous ayez un plan de ma tronche pas trop foireux. Je sais que c'est pas top top, mais moi j'ai un grand gain à faire ça pour cet hiver. C'est-à-dire que déjà, en plus, je peux avoir une couverture sur moi pour éviter de tirer sur le chauffage. Là, ça va être la misère cet hiver. Vu les tarifs mirobolants. Ça me permet moi de me reposer en jouant avec vous. Enfin, en jouant avec vous. Au mieux, mais... Ça me permet de faire du Twitch, de bavarder avec vous, mon grand plaisir. Et de me reposer en même temps. Je me recharge les batteries là de ma semaine. Donc ça me fait... Oh, cool, j'ai bien... Cool.
Oh, je finis dans les roseaux. C'est moi ou j'ai oublié de remettre la musique? Ah non, il y a de la musique, j'entends même pas. Attends, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ouais, je sais pas. J'ai un truc bizarre avec mon clavier multimédia. J'ai l'impression qu'il m'a lancé un direct d'une Québécoise que je suis tôt le matin. J'espère que j'ai pas un mélange de sons. Ah merde, loup. Alors, au pire, ce que je peux faire, c'est flinguer mon navigateur. En plus, j'économiserai des ressources. Voilà. J'aurai l'assurance de pas commettre. Putain. Je suis pas concentré. De pas commettre la boulette de. De faire ce qu'on pourrait appeler le mélange des flux. Ça compte ou pas? J'ai fait un rebond sur l'eau. Ah, ça compte. Mais l'effet graphique de l'eau est magnifique. Depuis que j'ai la nouvelle carte graphique, c'est. Waouh, je redécouvre le jeu. Ouais, cet effet d'eau, j'y suis pas habitué. C'est beau. Oh, ils ont eu la chaise fraîche aussi. On voit le champ de blé cramé derrière. Hé, j'allais tirer. Ah merde, je suis obligé de faire comme ça, visiblement. Que voulais-je dire d'autre? Oui, d'ailleurs, comme tu m'écoutes, mon cher Nainonette, hein, sans enfance, j'ai proposé le vroom vroom camion pour demain à Christella en ton absence. Et je me dis que finalement, c'est pas plus mal. Parce que Christella, si elle a beaucoup de kilomètres au compteur dans la version européenne, elle découvre la version américaine. Donc je pense que c'est mieux qu'elle fasse ses premières heures en ma compagnie et qu'on discute peinard sur ma chaîne. Le temps qu'elle cumule, tu sais, de l'expérience, c'est qu'elle arrive à avoir les longs trajets, puis après les trajets spéciaux, là, les permis pour tout ce qui est corrosif, explosif et tout le bordel. Les convois spéciaux, on va dire. Ce qui permettra ensuite qu'on se retrouve à 3, voire d'à plus, hein, qui va savoir ce que nous réserve l'avenir, sur les routes américaines et pouvoir faire les mêmes missions ensemble. Je crois que je peux. Oh! C'est vicieux. Attention. Non! J'ai tiré dans le. Dans le décor.
Au moins, ils sont larges, hein, leurs trous de, de golf. Oh, punaise. Les plus gros que des bols au petit déjeuner. Alors ça, c'est typique le genre de d'arrivée que déteste mon cousin. Oh! Oh oui! Il gueule en plus, ça va, dis donc. Oh, j'ai fini! J'ai gagné un drapeau de la Saint-Patrick. Eh ben, dis donc. Ça me fait une belle jambe. Changer de niveau. Oui. Ah, les terres hivernales. Bientôt chez vous. C'est le mec, il fait peur à son public. Vous allez vous les geler dans les prochaines semaines. C'est horrible, mais ça va être ça. Oh non, c'est nul. Il réinitialise les réglages. Oh, si à chaque fois il faut que je redise que je veux ça. Oh là là, oui, je suis prêt à démarrer le match. Brigitte Putter. Oh yeah. Je sais même pas si vous entendez la zic, moi j'ai pas de retour, c'est trop bizarre. Oh oui, magnifique. Mais sans déconner, hein, je me souviens plus du tout du jeu de golf. Hein. J'ai souvenir d'un autre parcours, mais ça devait correspondre à un autre jeu. Parce que j'ai la collectionnite concernant les jeux de golf, surtout mini-golf, que des vrais golfs, faut dire, je crois que j'en ai pas encore. Ça viendra peut-être. Mais merde, mais je suis de la merde. Mais Quoi? Pardon, je dis quoi? Parce que je vois des notifications qui s'activent sur mon écran secondaire et je ne sais plus ce que je lis. Ah, il y a de ces trucs. Oula, c'est quoi cette cheminée de maison de fou furieux là? Oh la dégringolade! Oh, oula, attention, rebond. Oula, c'est vicieux comme arrivée. Oh merde. Donc sortie du jeu de golf, peut-être que je vais faire de l'hérétique. Ça fait un petit bout de temps que je voulais pas faire hérétique, là ça me manque un peu. Cet après-midi, je verrai si je suis là ou pas. Si je suis là, je vais peut-être commencer Half-Life Blue Shift. Ou alors, je fais un autre FPS. Pas trop vieux. Je vous proposerai soit Fear que Twin Sand voulait absolument que je fasse. Oh, ah, là, le coup de la tranche m'a pas. Mais je peux passer au milieu ou pas? Ah, bah, je suis passé au-dessus. Elle est bonne. Elle est bonne, celle-là. Et, je vais me servir du contour de. Ouais. Et encore que. Soit je fais du Fear. Soit je fais la suite de Half-Life, c'est-à-dire Blue Shift. Soit je me lance dans un autre FPS que j'avais adoré plus jeune. Alien contre Predator. Où il y a les trois campagnes. Il y a l'humain, le Predator et l'alien. Et les trois campagnes, je me souviens, j'étais émerveillé quand j'étais ado, que j'avais pu jouer. J'avais pu m'offrir le coffret quand. À sa sortie, quoi. C'était un gros cadeau d'anniversaire pour moi, je sais plus quel été. Et j'avais surkiffé mon été à jouer le soir, en fin de journée, à. Ah, j'ai adoré le FPS. Et je me réjouis à l'idée de vous le refaire. Je l'ai acheté, je crois, pour mes 40 ans, là. C'est-à-dire cet été, je l'ai retrouvé sur Steam avec grand plaisir.
Et je l'ai téléchargé, il est installé là, donc je peux le lancer. Bon, je l'ai pas configuré, mais en plus, je vais sûrement le mettre avec des graphiques quasiment au max, vu son époque de sortie. Et à l'époque, j'avais découvert avec les graphismes au minimum. Hein. J'avais un ordi du pauvre à l'époque. Je crois que j'avais joué sur portable, un truc de ma boule. Bref, ça va être un régal pour moi. J'espère pour vous aussi. Mais si je fais Alien contre Predator, je vais être à fond dedans. Je vous préviens, il va y avoir des scènes cultes. Hein. J'ai gardé un excellent souvenir de ce jeu. C'est là où je peux me la péter. J'ai réussi instinctivement à le faire en un coup. Oula, c'est piégé, c'est pas court. Oups. Ouhouhou. La poutre qui m'a sauvé. Non! Mais non! Ah ah! J'ai appris de mes erreurs. C'était un beau gars. Merdoum. Ah! Alors là, j'ai très mal armé mon club de golf. Oh le bordel. Et donc demain, je pense à la suite du programme. Donc demain matin, classique, on continue Final Fantasy là. Je vais être dans la petite maison, la prairie, mais sans la maison, mais avec plein de monstres. Pour ceux qui suivent Final Fantasy XIII. Et puis l'après-midi, bah, vroom vroom camion avec Christella. En fonction du temps qu'elle peut rester en vroom vroom camion, je verrai si moi je complète avec du solo ou si je fais un petit peu de Minecraft aussi. Encore que Minecraft, si je vous mets du Minecraft, je risque fort de faire la mission première du jeu, c'est-à-dire miner. Ce qui n'est pas forcément le plus captivant pour vous, je suis désolé, mais moi ça me vide la tête et ça me défoule. C'est vrai que j'ai des projets de construction en cours, mais là je manque de ressources. Éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est faire mon bûcheron. Mais ça va être un cycle de fou pendant 2-3 heures. Couper les arbres, les replanter, enfin les repiquer, attendre qu'ils poussent pour les réabattre derrière. Ça fait partie des mécaniques de jeu, hein, mais je pense pour vous en tant que spectateur. C'est pas ce qu'il y a plus de passionnant. C'est vicieux. Mais non, mais... Ah. C'est beau. J'aime bien le décor. Puis tout ce qui est boisé, tout ce qui est nature, j'en raffole. En vrai comme en virtuel. Ah, vous avez le choix de l'arrivée. Couscous, c'est malin de faire le message... Tu te cèdes via Twitch. C'est malin. Aïe 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 aïe. Fallait qu'il trouve le moyen de se distinguer. Par ça, j'espère que tu vas bien, mon cher Tunsen.
part. Bah, dis donc, je trouve. Oui, non, ah oui, non. Ouais, non, j'ai rien dit. Non, c'est précédemment que j'avais fait de la mouise. Oh, cette conception. Ah, t'as un rhume, ouais. Bon, bah, si dans l'ensemble ça va, c'est déjà ça. Non, 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 moi je touche du bois, là je suis bien, hein, je veux pas être malade. Ah! Je ressors déjà bien esquinté de cet été caniculaire. Mon corps a bien morflé. D'ailleurs, je me pèse pas, mais je pense très honnêtement que j'ai perdu 4-5 kilos depuis juillet dernier. Parce qu'en me fringant, ça se voit au niveau des pantalons, au niveau de la taille. J'ai des pantalons, je serre de plus en plus la ceinture. Quand je l'enfile, j'ai l'impression de mettre un pantalon pour, enfin pour obèse. J'exagère, mais sans déconner, j'ai dû perdre deux ou trois tailles de tour de hanche, c'est pas possible. J'ai fondu cet été tellement qu'il faisait chaud. Mais mes graisses dans mon corps se sont auto-consumées. Je dis ça sur un air de plaisanterie, mais il doit y avoir un fond de vérité parce que j'explique pas le. Bon, la chaleur m'assommant, je mangeais beaucoup moins. Mais non, non, mais effarant quoi. Hey, il est technique ce parcours. Il est vachement technique. Non, s'il y a les butées, c'est pas pour rien. Ouais, voilà. Oh! Waouh! Oh non, mais c'est dégueulasse. Putain, mais c'est dur. Faut trouver le tir parfait là. Ah bah. Mais et je vais faire mes 40 tirs sur celui-là. J'en suis à mon 12e. Ah! En 4, faut le faire. Putain, je l'ai fait en 12, mais c'est horrible. Ah, les mines. Donc. Pa 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 la pa. Pi pa pi la boum. Tac tac, allez go. Oh, y a des concepts de. Ah, forcément. Je me disais, ça pouvait pas être si simple. Là aussi, j'aime bien la patte graphique du jeu. C'est un régal pour les yeux. Enfin, me concernant. Oh, j'ai fait de la mouise. Oh! Finalement, non. Merde, oh dommage. C'est beau, les textures de bois. Like a bird. J'aurais peut-être dû essayer de lire le parcours avant. Ouh, ça fait vachement sombre comme. Merde, j'ai fait un tir interdit là. Ça. Là, je comprends plus. Pourquoi il m'interdit le. Ah, je suis tombé dans le vide!
D'accord. On m'apprendra, il y a les bourrins là. Oh. Oh, il y a des cristaux. Dans quel jeu on pouvait voir des cristaux de ce type? Ah, peut-être que je pense à StarCraft, premier du nom. Mais pas que. Doit y avoir une autre référence vidéoludique qui est dans ma mémoire. Un jeu auquel j'ai dû avoir le plaisir de me frotter quand j'étais plus jeune. Où il y avait ce genre de cristaux à récolter. Ah, peut-être. Une saga que j'aime bien. Sur Mars, là, les mineurs de Mars. Merde, j'ai oublié le nom. Red Faction, la faction rouge. Red Faction. Dans le 3, je crois. Où j'ai pas pu finir le 3, d'ailleurs, il était balèze. Je le referai sûrement sur mon antenne avec vous dans les années à venir. Le 1 et le 2, il faudra que je vous le diffuse. Parce que je les ai faits déjà de mon côté dans les années précédentes. J'ai les archives. Si je l'ai pas fait, ça viendra sur ma chaîne YouTube. Il faudra que j'injecte ça. Vous puissiez voir comment j'avais joué à l'époque. Et c'est une saga que j'aime bien, la faction rouge. Les mineurs de masse. Les mineurs sur Mars. Bref, et je crois qu'il y a des cristaux comme ça, de même design, voilà. Où tu les pioches, tu les récoltes. Et on peut aussi penser à beaucoup plus récent, là. Mon jeu de cet été que j'ai adoré. Décidément, j'ai du mal. Planet Crafter. Planet Crafter, les matières premières là issues des météores se présentent comme ça. Pour certains d'entre eux. Oh là là, le dessin du parcours est vicieux. Le jeu où on pouvait se faire un chemin en faisant des trous. Oui! Ouais, c'était le point fort du moteur à l'origine de Red Faction. Oui, tu pouvais moduler le décor, c'était révolutionnaire à l'époque. Tu tires un lance-roquette et vraiment, t'as le décor qui gicle. Contrairement aux autres jeux, c'est défini, ça reste des murs immuables. Enfin, des parois immuables. Non, c'est vrai. Non, non, trop bien à l'époque. D'ailleurs, je vous crache le morceau. Dans le cadeau que je me suis fait pour mes 40 ans là cet été, dans les jeux que je me suis acheté, là je devrais pouvoir le faire sur mon ordi avec la nouvelle carte graphique. Alors je pense avec des graphismes au minimum, je verrai jusqu'où je peux pousser. Mais comme on arrive dans la mauvaise saison et que je peux faire carburer la carte graphique en guise de chauffage sans qu'elle crame, un jeu que je rêvais de faire. Alors j'aimerais le faire en coop. Je vais peut-être poster un message sur mon Discord prochainement pour pouvoir faire un appel à candidature. Si certains d'entre vous sérieusement seraient prêts à me rejoindre sur le jeu certains samedis, voire dimanches, mais je préférerais plutôt y jouer le samedi. Jeux zombies post-apocalyptiques, j'adore les jeux post-apocalyptiques avec des zombies ou atmosphère post-nucléaire comme Fallout. Ah merde, faut tomber dans le wagon. Oh la vache, c'est vicieux. Me suis acheté l'intégrale du 1 alors que le 2 est déjà sorti. Dying Light, j'avais vu le playthrough de. Putain, mais c'est dur! De Fanta et Bob à l'époque, j'avais surkiffé. Non, pas laissé pour mort. Alors, je l'ai en plus celui que tu cites. Ça, si tu veux, si tu l'as plus tard sur un meilleur ordi. Si tu veux qu'on y joue, ce sera avec grand plaisir, Tunsen. J'ai la chance de l'avoir, le 1 et le 2. J'avais démarré le 1 en solo et je m'étais fendu la gueule aussi. Il est excellent celui-là. Mais non, Dying Light. Dying Light. Oh, si je me lance là-dedans, je sens que je vais pas bouder mon plaisir et je vous préviens. Bon, enfin, vous me connaissez. Je vais pas me mettre l'optique de faire un 100%. Mais croyez-moi que le jeu, je vais le savourer, je vais le poncer. Quitte à mettre 3 ans pour le faire comme un Final Fantasy, je m'en fous. Mais Dying Light, je vais pas bouder mon plaisir. Ah, Portal 2, oui, je le connais pas. Je l'ai, je l'ai jamais fait. Oui, je pourrais faire Portal 2 avec toi si ça te dit plus tard, Tunsen. Ce sera avec grand plaisir.
Et donc tout à l'heure, oui, t'étais peut-être pas là, je disais que je vais peut-être me lancer dans le FIR. Il est installé FIR, le premier opus. Si je suis là cet après-midi, voilà, je verrai. Je vous ferai éventuellement voter si vous êtes nombreux à mon début d'antenne, si je suis là en début d'après-midi, entre FIR, Alien contre Predator ou on continue Half-Life, on fait l'épisode Blue Shift. Ce sera forcément un FPS, pas trop vieux, hein, pas trop Doom 95, mais. Et ah voilà, je vais finir par y parvenir. Ah merde, la webcam elle a lâché. Oh mais j'ai effleuré mon câble, mais c'est nul. Oh là 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 là. J'ai à peine effleuré mon câble, faut qu'elle arrête. Attendez. Attendez. Oui, c'est. Ouais, tant pis si je perds mon tir sur le parcours. Attendez. Je manipulais ma webcam. Oh, mais elle est capricieuse au possible, ça m'a chiant. Alors, minute papillon. Ouais, je vais faire des manips. Alors, hop, ça, je me vire ça. Excusez-moi, ouais. Non, non, bah non, changer de câble, je peux pas. C'est intégré à la webcam. Il faudrait que je change de webcam. Mais c'est pas la webcam en elle-même qui est fautive, je le rappelle. C'est mon ordi qui est vieux. Je lui en demande un peu trop en USB. Il faut juste que je fasse gaffe de ne pas mettre 50 milliards de périphériques en même temps. Parce que mon ordi, il est en. J'en peux plus. Bon, voilà. Mais à vrai dire, la webcam, elle fait son taf, hein. Moi, je suis persuadé que je branche ma webcam sur un autre ordi, ça se passe très bien. Attendez, je vais refaire mon cadrage de. Ah, oh, excusez-moi. Alors, attendez, on revient rapidement ma tronche. Merde, pourquoi je peux pas la désactiver? Voilà. Ah, je suis même un peu trop. Attends, quand je suis vraiment relax, bien installé, confortablement. Voilà, vous voyez bien ma tronche. Oui, bah c'est correct comme ça. Ouais, tant pis, vous verrez un peu de plafond blanc dans l'angle, mais je suis plus à ça près. Ouais, non, c'est bien. Là, vous voyez un peu plus ma tronche. C'est cool. Voilà. Team Fortress, ouais, idem, ouais. Bon, je vais la voir, mon wagon à la noix, là. Oh! Oh, j'ai fait trop tôt. Je pensais bien anticiper, mais non. Oh, oh, sur la tranche du wagonnet. Vous êtes cruel. Enfin, eh ben dis donc. Tu as 42 succès sur 51 dans Portal 2. Oh, c'est bas haut. C'est quoi ce bordel? Oula, le boxon. Ah, après, il faut aller sur le côté. Oh là là. Ouch! Oh!
Ça aurait pu se concrétiser. J'étais pas si loin de la piste de jeu en fait. Oh! Oh non! Aïe aïe aïe. Voilà. Il faut que je buve. Alors je vous rassure, je prends une bouteille de soda. Mais je vous dis tout de suite, c'est pas du soda original, ça a été dilué. Hein. Parce que le soda, c'est d'une bombe sucrée, c'est pas pour moi. Ça me suffit pour sentir le goût du soda. Si vous voulez, je mets un volume de soda pour 4 volumes de flotte. Bien noyé, là, j'apprécie. Mais à l'état original et gazeux, c'est waouh. Je peux en boire quelques gorgées comme ça à l'état brut, mais c'est en fin de repas quand je sais que j'ai besoin, vous savez, de faire un raw. Histoire de décongestionner le système digestif. Hey, je suis en train de me dire, mon écran de jeu, je suis peut-être pas dans le bon mode de. Là, je suis en mode en travail dans la semaine avec l'économie d'énergie. Et du coup, je vois pas tout le contraste de couleurs. Ah oui! Ah oui! Ah, que les couleurs sont devenues vives pour moi. Oh là là! J'ai retrouvé la vue là. Ah oui! Je comprends mieux. Triple bogey. Oups. Sous-entendu, c'est de la mouise. Hic. Ah, faut faire une ascension. Ah, il y a le risque de punition de redescendre. Oh là là, en contrebas. Merde. Je sais plus calculer mes angles. Ah, il faut faire une arrivée en biais avec le tremplin. Ah, peut-être que je le fasse suffisamment fort. Ah oui, il y a un mauvais truc. Excusez-moi. Un délire de concepteur de la carte. Attends, faut que je passe par là? J'ai pas compris là. Oui, visiblement, c'était ça. Non, c'est pas le bon. Je me disais c'était trop facile pour que ce soit le bon trou. Mais c'est celui qui est le plus lointain, je présume. Ah, il y en a plusieurs. Observons. Non, ce serait encore le truc à l'intérieur. Ah, c'est vicieux cette conception. C'est un double bogey. Non, vous êtes sérieux les gens? Ah, j'étais pas loin. Ah oui, tu parles, il va repartir sur l'autre côté. Ah, trop fort! Oh, merde! J'ai satellisé la balle. Ah, pas assez cette fois-ci. Oh, merdôme! Je suis pas dans l'axe. Oh là là! Les vicieux! Ah, on y a cru! Attends, je vais attendre qu'ils reviennent parce que. Ouais, voilà. Pas assez fort. L'axe était bon, mais pas assez fort. Ouh, le rebond. Oh, non! J'y ai cru!
J'y ai cru. Allez, un bon rebond, oui! Ah! Ah, j'ai parcouru de fou! Allez, Jou! Merde, mais non, Gravillard, c'est ce qu'on. Attends, je sais plus. Non, on sort de la mine, Gravillard, on n'a pas fait, hein. Je suis sûr de rien là. Je ne sais plus. Je suis dans les doutes. Ah, je l'avais pas fait. Waouh. Waouh. Pour Halloween là, oui. Oh. Ça me rappelle mon neveu et ma nièce quand ils étaient plus jeunes. C'est vrai que la difficulté de se familiariser avec l'anglais. Et ils avaient inventé une nouvelle fête, en fait, avec Halloween. Ils l'avaient mal orthographié, j'étais mort de rire. Ils avaient écrit Halloween, wine, le vin. J'avais trouvé ça génial. Ah là 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 là. Oh! Pas mal les crânes là, j'aime bien. Dans le dessin, c'est original. Merde, j'ai pas lu le truc, j'ai pas compris. Ah, il fallait passer discrètement sur le côté, oui. Oula. Encore trop fort. Oh. Ouais, c'est vicieux ça. Ça perturbe leur truc. Ouais. Alors le truc est là-bas au loin. Ah, j'ai échoué contre le. La 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 la. Oh! Ah ouh. Ça va. J'avais peur de me faire éjecter. Oh! Ah, de mal en pis. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud, mais je l'ai bien géré. Oh oh oh! Waouh! Ça, c'est bien pensé, par contre. Waouh, c'est psychédélique. Ah ouais! Oh le bol! Oh ce truc de fou! Je m'attarde pas assez sur les animations, on va dire, dans le ciel, dans le plafond du jeu, mais. Comment dire? Je me demande s'il n'y a pas la. Vous savez, les petites sorcières sur leur balai là. Ah non, c'est un fantôme là, visiblement. Ouch. Oui, j'allais dire, ça va mal se finir mon truc. Et encore, c'est gentillet. On constate qu'à la physique de ce jeu. La balle est juste expulsée, elle n'est pas tranchée comme. Je sais plus quel jeu on avait fait, je crois que c'est Golf Around, où on peut se faire cramer ou découper réellement la balle. Là, le jeu est gentillet, c'est de la bousculade juste.
Oh! Je m'attendais pas à être embuté à cet endroit-là. Papapigapo. Jabalabagay. Qu'est-ce que... Non, faut rebondir sur les chaudrons? Enfin, faut-il encore que je les atteigne? Voilà, waouh, j'ai fait de la merde! Oui! C'est officiel, je fais de la mouise! Oh! En fait, faut faire un tir ultra bourrin et ça passe. Là, pareil. Ouais, c'est un téléporteur en fait, le truc. C'est malin ça. C'est malin. Non. Oh, c'est dégoûtant. Objection, monsieur l'arbitre. Pas mal aussi la citrouille. La manière dont elle est taillée. Oh, c'est quoi, c'est une hallebarde? Ah, j'ai l'impression. Merde, trop fort. Oh, mais non. Oh. Bon. Fallait jouer la modestie. Ouh, qu'est-ce qui va se passer? Oh, oh les vicieux! Mais j'ai réussi. Ah oui, on peut passer par en bas aussi. Oh, là j'ai honte. Alors là, sur ce coup-là, j'ai franchement honte. Eh ben, c'est pas mieux. Soupir. D'exaspération. Ouais, surtout qu'il y a une butée à l'opposé, donc j'aurais pu là pour le coup faire un peu plus mon bourrin. Mais bon. Je n'ai pas lu le parcours. Oh les salauds! Ça va être chaud ça. Waouh! L'infime marge d'erreur. Oh! Oh là là! C'est limite s'il faut pas que je tombe à la verticale dans le... par rebond dans le truc. Po-po-po, dur. Oh, c'est chier ça par contre. Oh, oh le bol. J'ai percuté un objet qui m'a sauvé la mise. Ah ouais. Considéré comme étant un albatros, ok. Oula. J'ai la caméra qui est dans un objet. Hein? Je... Fou, attends, où il est arrivé? Ah non, faut que je retourne dans le téléporteur là. Eh oui.
Comment je peux faire pour... Waouh, faut faire un tir ultra bourrin. Suis même allé au-delà du truc. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, une coiffe de chat. C'est rigolo. Ah, un peu de clarté. La baie des pirates. Je signe tout de suite pour la baie des pirates. Je dis oui. Oh oui, alors ça pour être clair, c'est clair. Oh, cette luminosité. Ah, là, ça me rappelle un peu, souvenez-vous, je vous l'avais fait sur PlayStation 3. What? Ah, j'ai armé le canon, d'accord. Mon jeu de mini-golf sur PlayStation 3, là, avec le mec qui ressemble à Bill Collit, le leader du groupe Tokyo Hotel, là, la coupe en pétard à la San Gohan, là, en noir. Merde, comment il s'appelle? Planète Mini-Golf. Là, franchement, c'est très ressemblant. Oh, stylé. Ah non, merde, je peux pas tirer dans l'arrivée. J'essaye pourtant. Oh oui! La cascade. Faut viger là-dedans. Stylé. Oh. Il y a aussi un peu un air de Golf for Your Friends. Pareil. Bon, vous me direz, d'avoir le sentiment qu'ils se copient les uns les autres, c'est un peu obligé, hein, c'est le principe du mini-golf. Mais bien, franchement bien. Là, je me détends. Attends, ouais, si je peux passer au centre. Et hop là, voilà. Sophistiqué, il faut l'admettre, le parcours là était sophistiqué, bien, bien conçu. Ah, je l'ai bien géré là, l'obstacle du sable. Wop, pop, 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 pop. Non, c'est vachement technique. Ah, je suis pas obligé d'y aller bourrin. Oui, je peux. Ouais, ok, ouais, il y a la base. Parce que sinon, il fait un truc dans le jar là. Et ça passe.
Ah bah, je déjoue pas trop les lois de la physique, on va dire. Ah. Ça se tient. Oh là là. Ah, faut que j'aille quelque part faire là-bas, je crois. Non. J'ai merdé le tir. Ah, j'avais pas vu la cible est là-bas. Oh là là, j'ai pas pris le temps de lire l'image. Attends, mais là tu tires dans le décor, truc de fou, quoi. Mais non! Mais non, mais je l'ai expédié hors décor! Attends, mais j'ai pas compris. Bah, c'est bien une cible. Par rebond, je peux pas. Non. Ah, par ricochet. Mais non, mais c'est quoi ce rebond? Ça n'existe pas dans la physique, c'est scandaleux. Bonjour, livre qui tue. Ouais, ça va, merci, je me détends, relax. Et toi, comment ça va, Olive? T'arrives à te ressourcer, à revenir à la norme, si je puis dire, par rapport à ton parcours santé. En tout cas, merci à toi d'être là, Olive. Ah, pourquoi il me dit que le cercle d'arrivée est en biais? Non, y a rien à faire. Hein. J'ai pas le droit de. Attends, alors là, le canon là, sans déconner, j'ai pas capté. Si je percute carrément la barre de. D'arrivée. Non, j'ai pas le droit. Aïe, aïe, aïe. Mais on est d'accord là, je tape la cible. Ah, merci. Oh! Ah, soupir. Eh ben dis donc, celui-là il aura été fastidieux. Oula, puis on voit des cibles au niveau des cocotiers là. On voit que la physique du jeu est assez particulière. Vous avez dû observer le côté un peu mollasson de la balle au niveau de la. On dirait qu'elle est un peu engluée cette. Bon, c'est le moteur du jeu qui veut ça, mais bon. Oh la merde. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de pirogues? Original. Je me demande si j'ai. Je les ai peut-être fait ces parcours en fait il y a très longtemps. Ça me rappelle vaguement des souvenirs. J'ai dû le faire une fois et puis je me suis pas acharné sur le jeu. Merde, je suis tombé dans le piège. Il faudrait que je tombe sur la tranche de la planche. Voilà, bouge pas. Et là, hop là. Nickel. Oui, il faut aller par là-bas. Ça s'est envoyé.
Oh! Non! Non, je suis dégoûté! Blablabla. Voilà, merci. Ok. Elle est bizarre, je te cible. Attends. Il faut aller en face. D'accord, en étant au pied du tremplin, il faut se... Oh là là. En mode gros bourrin. Waouh. Oui, effectivement. On a vu du pays. J'ai satellisé la balle. Oh. Vlatipa pas qu'on va commencer à avoir des vieux gréements. Les beaux navires. Pile poil, moi. Nickel. Merde, j'ai fait trop fort. Je suis sur le quai, c'est pas ça qu'il fallait faire. Et enfin, le dernier trou de ce parcours de baie des pirates. Là, je vais me faire peur. Oh là 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 là, à l'abordage. Ah, un petit canonx. Allez, direct dans le... Non! Ah non! Ça m'était offert sur un plateau. Eh ben, Iseo Santillano. Allez, le temple de Jade. Alors, le vert classique, je vais pas le faire. Parce que je pense que ça veut dire réalité virtuelle en casque classique. Et comme j'ai pas la technologie, je vais pas le faire le dernier. À mon avis, il passe pas. Donc là, ça va être notre dernier parcours, le temple de Jade. Après, je ferai un autre jeu, je sais pas lequel. J'ai rien décidé. Ah, bah bonne plomberie, ma chère Olive. Fais gaffe avec tes histoires de... Alors, je suis très loin d'être un aficionado du bricolage, mais n'hésite pas à couper ton arrivée d'eau, parce que si c'est pour avoir une catastrophe au niveau du robinet, que t'ouvres la vanne et que ce soit incontrôlable. Je t'invite à la prudence, ma chère Olive. Ah, je m'en souviens du temple de Jade. Mais j'avais fait avec des graphismes dégradés. Là, c'est beau, c'est fluide. Pardon. Ce niveau-là m'avait marqué. Il était très original, très stylé. Ah, j'ai un message. Ah, pardon. Je vais me permettre de faire un SMS. Oui, je sais, merci. J'ai déjà changé le robinet de mon évier. Ah bah, t'es une chef. Tu sais tout faire, ma chère Olive. J'aurais pas dû douter de toi. C'est bien.
doing. Oh oui! Pardon, je réponds en SMS, bah, c'est ma fameuse maman. J'irai faire un tour à la boutique en ligne. Alors, pardon. Merde. Merde. Alors, je vous rappelle que les téléphones sont ma forme d'ordinateur que j'aime le moins, et c'est pas pour rien. Autant j'ai pas de grosses paluches, autant vous avez fait d'appuyer sur. Et puis moi j'aime bien aller vite façon Matrix. J'ai du mal à faire les choses posément. Et j'ai vite fait de. De déclencher ce qui vient de m'arriver, un truc alors que j'ai pas fini mon message, j'ai déclenché un bordel dont j'ai rien à péter. Voilà. Excusez-moi, je reviens auprès de vous pour le jeu. Ah là, les tentes du golf, on le voit au loin, le temple de Jade. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce parcours? Ça me rend fou. Faut que j'aille au-dessus. Ah! Il fallait deviner que la suite du parcours était là-bas. Ouais. Yes. En fait, on est en train de remonter la rizière au plateau. Oh! Nope. Pour arriver au sommet et aller dans le temple de Jade. D'ailleurs, je crois que le final du temple de Jade, il est extra. À l'intérieur du temple, il y a un truc de fou furieux vertigineux. J'ai mes souvenirs qui reviennent en mémoire. J'ai cru que j'allais sortir du parcours. Vous me direz, je suis pas dans l'axe du tout. Oh! C'est scandaleux! Oups. C'est beau! C'est aussi beau qu'impressionnant! Mais c'est beau! Aïe aïe aïe! Mais non! Mais deux fois je vous fais strictement la même! Mais c'est pas possible! Merci! Alors gauche ou droite? Allez, on va aller à droite. Enfin, si je peux. Ah! Oh, j'ai pris la voie des citrouilles. Ou pas? Ah bah là c'est une grande ligne droite là, là faut que je trace droit devant là. Oh merde! Oh ce vilain rebond! Voilà. Fallait quelque chose de mesuré. Je vais me taper là que ça va pas être. Oh! Oh j'ai du bol. Ouh 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 ouh. Ça va mon petit Tiger Woods de Nancy. Ouais ça va, bonjour Pierre. Bah là, j'espère que tu peux t'offrir quand même un week-end et que tu peux souffler un peu là, parce que tu bosses avec une frénésie ces dernières semaines. C'est gentil à toi de passer rapidement sur nos chaînes respectives pour nous faire un coucou et nous dire que tu es toujours en vie. Mais force est de constater que tu bosses comme un acharné en ce moment. Non, toujours sur le taf. Eh. Va pas t'épuiser non plus, hein, Pierre. Il faut savoir se s'octroyer des moments de repos.
Bonjour Nachemman. Oula, alors qu'on avait une caisse avec des inscriptions en chinois dessus. Je vous le dis tout de suite, je ne lis pas le chinois. Autant le japonais, vous avez peut-être un peu de chance que je vous décrypte quelque chose. Mais alors le chinois là, les idéogrammes, je les connais pas. Encore que je reconnais par deux fois la clé de l'herbe. Enfin bref, je vais pas me lancer dans une interprétation hasardeuse. Ah oui, il faut que j'atteigne l'autre côté. Je suis pas dans le bon axe. Non! Oh non, je suis pas dans le bon axe. Adieu. Ah, c'est jouable ça? Oh, les jolis nénuphars. Ah, à contre-courant, c'est la violence. Ah, il faut y aller gros bourrin, quitte à revenir par l'autre côté. Oui, voilà. Non, mais non, mais non! Ce parcours a été très bien étudié. Et c'est que le trou numéro 7, hein, sur 18, là. Oui, ne bouge plus. Ah! Moment de stress. Non! Concentration. Alors, que je vous lise. 16 heures par jour, plus ou moins. Non, t'es sérieux? Mais hey, tu bosses plus qu'un chinois, là. C'est effrayant, ton histoire. Ça prend des proportions dingues. Oh, c'est beau. Ça mérite qu'on s'arrête. C'est des carpes koi. Ça mérite qu'on s'arrête un peu sur le décor, là. Oh, ce décor asiatique, regardez-moi ça. C'est stylé. Ah, il y a même de la tatami au sol. Les plaques de paille tressées. Oui, un peu de contemplatif. C'est vrai que je l'ai pas fait. Là, ça vaut le coup. Je l'ai pas fait dans la partie agriculture du début. Mais le jeu le mérite. Oh, un petit set de table avec un petit. Oh! C'est un bogey. Sauvé par le gong? Je vais où? Je dirais je mets en face sous la porte Tori. Oui, c'est ça. Oula. Non. Frapper bourrin. Oui, mais je vais pas être dans l'axe là. Ah non, je vais pas être dans l'axe. Forcément, j'ai pris de biais. C'est débile ce que je viens de faire. Ah. Ouh. Ah, faut tomber dans le ramequin. Ou pas. Ah. Je vais y arriver. Oui! Oui! Enfin! Oh, trou numéro 10, il y en a 18. Ah bon? Je me souvenais pas qu'on descendait. Ne me dis pas que je confonds avec un autre jeu. Oh là, je vais laisser la balle y aller tout doux. Ah, bonne nouvelle pour demain. Demain, donc, je ferai à coup sûr un non-stop 9h-21h. Et pour ma pause déjeuner, je vous ai préparé ma nouvelle compile de clips, ça y est. De cet été, là, toutes les âneries qu'on a vécues ensemble. 1h15. Généralement, une compile fait 1 heure, mais là, il y a eu tellement de d'âneries que je vous en ai compilé pour 1h15 de clips.
Alors, évidemment, il n'y a pas que mes clips, hein, il y a les vôtres. Et certains d'entre vous m'ont surpris par les clips que vous avez faits. Il y a des choses que vous souhaitiez immortaliser qui vous plaisaient, qui pour moi étaient insignifiants, mais bon, c'est voilà, j'ai envie de dire, j'ai pas à juger. Non, faut que j'aille en face, mais quel idiot je fais. Ah, le truc, il est mécanisé. Ah, c'est malin, c'est une porte torii renversée pour. Ah, quelque chose me dit qu'il faut frapper le gong. Excellent. Bref, attendez-vous à bien vous marrer dans la rétrospective demain midi. Non, attends, il faut que je frappe le gong et que je rebondisse ailleurs, c'est pas possible. Ah, c'est l'arrivée, le gong. D'accord. Attends, pardon, Pierre, je vais te lire. J'ai vu que tu m'as écrit que tu bossais avec 6 personnes. Mais j'ai pas lu la suite. Hein? Ah, il faut faire une frappe bourrin pour aller en ascension. Eh, c'est bizarre leur chemin avec les cailloux noirs, là. J'ai l'impression que certains ont jeté des pommes de terre et des radis noirs sur un chemin boueux. Ça me fait l'effet là. Le chemin du compost. Oh, je fais de la mouise. Alors, Pierre Troutman nous dit, je suis aux commandes d'une équipe de 6 personnes depuis 10 mois. L'impact peut être monumental pour les labels indépendants dans le hip-hop. Eh ben dis donc, qu'est-ce que t'auras pas fait pour la musique, mon cher Pierre Troutman? D'ailleurs, je vais faire mon indiscret, mais t'as pas eu une récompense officielle du genre la médaille de la. Je sais plus comment on dit là. On parle toujours et souvent de la Légion d'honneur, mais il y a aussi. Tu peux être nommé chevalier des arts et des lettres quand tu fais des trucs vachement bien. Et t'as pas eu ce genre de récompense pour l'ensemble de ton œuvre? Parce que t'as mis sur orbite pas mal de. Si je peux m'exprimer ainsi. Pas mal d'artistes. T'as largement contribué à la culture déjà française et même à l'international, que je sache, de ce qu'on avait échangé par rapport à ton métier. Alors soit j'ai des voisins qui font des travaux, soit j'ai des gamins qui jouent au basket ou au football et je me demande s'ils tapent pas sur un de mes murs. Enfin bon, bref. Je pense pas que vous percevez les boum boum, mais comprenez que moi je suis un peu de. Des lettres de remerciement, ouais. Ouais, bon, j'ai envie de te dire c'est mieux que rien, mais bon. Encore en même temps, tu pourrais n'en avoir rien à péter, hein. Moi je suis plutôt de ce genre-là, c'est-à-dire que. Je pense à mon papa qui lui avait eu. Mais il avait eu la chance de faire toute sa carrière dans la même boîte. De 16 à 60 ans. Oh! C'est arrivé magnifique. Il avait reçu ce qu'on appelle une médaille dite du travail. Pour son. Voilà, sa régularité, tout ce qu'il a bien fait et tout. Et moi, c'est le genre de truc qui m'énerverait. On me la proposerait, je la refuserais. Parce que j'aurais l'impression qu'on me considère comme un clébard. Et qu'on me donne un susucre pour me dire bravo, t'as fait ce qu'on t'a demandé, t'as levé la patte quand on te le demandait, toi. C'est le genre de truc qui m'insupporte. Enfin, c'est propre à chacun, mais les comment dire, les titres officiels ou les comment on appelle ça, les trucs de cérémonie, ça me gave. Surtout si c'est moi le premier concerné, ça me fait. En général, je décline, je dis non, j'ai pas besoin de ça. Oh! Ça compte mon coup? Ça compte. Attends, là, il y a un tremplin, là, je peux pas y aller à l'aveugle. Ah, c'est un danger, les vapeurs. Les vapeurs! Oh, non! Non! J'ai pas le droit d'être sur l'intermédiaire. Ah oui, les vapeurs, c'est danger. Ce n'est pas qu'un effet graphique pour faire joli. It's a danger. Oh là, eh oh, c'est abusé là, eh. Depuis quand il me pousse?
Non, mais non. J'ai eu un mauvais rebond. De me faire peur. Du ministre de la Culture, Fangreister à l'époque, Thomas Bangalter des Daft Punk, le patron de la Warner et des artistes. Après, s'il y a de la bouffe, faut y aller. Buffet offert, ouais. Non, c'est vrai que c'est genre de trucs. Enfin, bon, bref. Je vous dis ça, mais. Brr. Alors, 16e trou sur 18, on arrive au... Oh! Oh! Le gong! Non, je peux pas. Ah, il faut... Non, faut pas que je frappe le gong, il faut que j'aille là-bas. Je suis pas dans l'axe. Là, je le suis. Ah oh, oui, on y croit. Oh oui! Yes! Ça, c'est beau. Des remerciements de la consul et de l'ambassadeur de France au Royaume-Uni. Ah bah c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ah oui! Alors, ah, je m'étais pas trompé, je me disais bien qu'il y avait un truc de fou sur la fin. Oh, c'est beau, c'est poétique cette ascension. Eh oui, et le 18e trou, je crois qu'il faut atteindre le plafond du temple. Je suis deg. Ouais, voilà, le 18e, vous avez vu, il est inversé, il est. La gravité va être retournée. Non, mais je suis de la merde en même temps. Oh. Remerciement de la mairie de Vitry. Remerciement de la mairie de Vitry et de Kennedy, le maire de l'époque. Ah ouais. Ah, c'est bien. Ah. Ah, oh là là. Oh là, oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là, oui. Je me souvenais que c'était dur, mais à ce point, je frappe beaucoup trop bourrin, moi. Non, ne tombe pas. Le coup m'a été refusé. Mais non, mais là, j'arrête pas de tourner en rond, faut que j'aille au centre. Au centre. Oups. Attends. Ah, il faut que j'aille au plafond. Ah ouais, non, mais ce final, il est complètement déroutant. Merde, j'ai tiré au mauvais moment. Oh non. Oh là là, ce bug. Non, je crois qu'il faut que j'aille au milieu, il faut que je m'éjecte, c'est ça. Merde, je sais plus. Ah oui, là, c'est un autre tremplin. Celui-là, il est plus balèze. Voilà. Ou pas. Oh mon Dieu, ce parcours de fou. Oui, je suis au-dessus. Ouh là là. Ouah, ouah, ouah. C'est un truc de ma boule. Au secours. Oui, l'arrivée est là-bas. Ou pas. Ah, j'ai peut-être pas le bon tremplin. Celui-là, je suis peut-être voué à l'échec, je crois, non? Encore que par rebond, on pourrait croire. Mais non, je pense qu'il faille faire le tour. C'est pas le bon tremplin, mon truc. C'est l'autre qu'il faut. L'autre est plus prononcé. Alors, ce dernier parcours est complètement pété. C'est renversant, vous pouvez le dire.
C'est l'adjectif approprié. Mais merde! Attendez, je me souviens plus. Comment je fais l'arrivée, moi? Oh! Fallait gérer astucieusement un bon rebond. J'ai jamais de remerciement de Nasheman pour le DVD, oui, les sauts, oh mon dieu, la palette entière. Mais non, jamais un petit chèque en scred, ouais. Et me servir dans ton frigo. La razzia sur les gratins dauphinois. Hey, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Alors la question est, qu'est-ce que je fais comme jeu maintenant? Bonne question. Là, vous avez gagné le droit de voir ma tronche. Quoi, des mises à jour? Non, 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 je redémarrais ce soir pendant le direct de FunFan. Plus tard, la mise à jour de Steam. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire de jeu peinard? Mais c'est vraiment l'improvisation totale, hein. Pas de prise de tête. Laissez-moi donc flâner dans ma jolie liste de jeux, le grand gamin que je suis. Faut pas que je vous perde de vue, il est où mon chat? Faut que je vous vois quand même. Ah non, les sauts, c'est pas moi. Oui, pardon, je sais plus, j'ai retenu la palette là, moi. Ah non, il avait eu l'un des meilleurs lots en plus. Waouh! J'ai redécouvert le jeu Explore, pas trop mal. Ah, je connais pas Explore. Avec un H. Pa, 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 pa. Ah oui! Je vous avais dit que j'essaierais de me remettre dans Hérétique. Le pire, c'est que je l'ai dit tout à l'heure. Alors, que je programme ça. Bougez pas. 30 kilos de DVD de merde. Ça parle mal et pas en français. Oh bah écoute, si t'as envie de réviser les langues étrangères, c'est des...